Les conseillers municipaux de la commune de Kintélé sont entrés en première session administrative extraordinaire de 8 jours pour analyser et adopter les plans d'action de leur bureau exécutif. Action qui vise l'amélioration du cadre de vie des populations. Notre première session administrative extraordinaire se tient dans un contexte national dominé par l'approbation du programme de mise en œuvre accélérée du plan national de développement local PND 2022-2026, consécutif à l'année de la jeunesse. Le conseil municipal de Kintélé salue les efforts du gouvernement qui, depuis le début de cette année, s'emploie à octroyer un tant soit peu les subventions nécessaires aux collectivités locales pour leur fonctionnement. Notre souhait est de voir cette tendance s'améliorer et se pérenniser. Du 22 au 29 juin, ces élus locaux auront des travaux en commission et en plénière pour produire des résultats capables de répondre favorablement aux questions de logement, d'aménagement et d'emploi. Les résultats attendus de cette session étant d'une importance capitale pour nos populations qui attendent impatiemment l'amélioration de leurs conditions de vie et aussi la mise en œuvre de la fonction publique territoriale qui viendra sans nul doute corriger l'épineux problème du déficit en personnel dont souffre la quasi-totalité des collectivités locales du Congo. De nombreux défis restent à relever pour le développement de Kintélé, une commune urbaine confrontée à l'insuffisance des structures sanitaires, à la dégradation du réseau routier, à la problématique de la gestion foncière et de la situation sécuritaire.